Let's go. Hey, hey, salut tout le monde, c'est Charmant. Aujourd'hui, on se retrouve sur Black Ops 2 avec un magnifique gameplay de mon ami qui m'a été envoyé par la part de mon ami Gunstar. Il joue sur la map Newtown 2025 en point stratégique. Il joue avec l'arme, le Fall DSRV, vous l'avez sûrement remarqué, qui est une arme plutôt dure à manier selon moi et qui est très difficile d'avoir de gros scores avec lorsqu'on ne sait pas comment utiliser cette arme comme il faut. Donc, je vais donner des trucs et astuces par rapport aux armes semi-automatiques plus tard dans la vidéo. Maintenant, retournons au gameplay. Il joue avec la forme sélecteur de tir, détecteur de cible et silencieux. En atout, il a fantôme, détermination et pillard. Donc, il n'a pas d'atout 3 et il joue avec un Joker qui a soif d'atout 1. Il joue de plus avec le C4 et comme score streak, il joue avec le foudroiement, la microstation orbitale, lui et l'unité canine qui est le deuxième score streak le plus dur à avoir dans ce jeu de Black Ops 2. Donc, vous avez vu que ce gameplay, je l'envoie à Code CF avec l'intro. Je l'envoie aussi à Le Bon Plan du Geek. Pardonnez-moi, et PlayGeek TV, car c'est un gameplay qui m'a assez impressionné. J'espère que il vous impressionnera vous aussi. Je ne vous gâcherai pas le punch. Je vais juste vous dire que ce gameplay est extrêmement impressionnant. Et je pense que c'est un bon gameplay fait pour aller sur des chaînes communautaires comme celle-ci, comme eux que je vous ai nommés, soit CodeCF et PlayGeek TV, Le Bon Plan du Geek aussi. Donc, vous me demanderez sûrement pourquoi je n'envoie pas cette vidéo à CodeQG. Eh bien, je suis débutant sur YouTube et je crois pas que je serai accepté sur CodeQG. Et en plus de ça, j'ai fait deux vidéos. Ben, en fait, j'ai fait celle-ci. Je l'ai envoyé à CodeQG. Ils m'ont pas accepté, mais selon moi, ils m'auraient accepté si ma vidéo aurait pas buggé. Dans le fond, je vous explique un peu, c'est une très longue histoire. Je vais résumer ça en quelques mots. J'ai upload ma vidéo sur YouTube. Là, après, ça disait, votre vidéo doit être modifiée. Voulez-vous appliquer les modifications? Là, j'ai fait oui. Là, ça a commencé. Là, après, quand les modifications étaient terminées, ça a commencé à bugger. Il y avait plein de vagues dans mon écran. L'écran n'arrêtait pas de bouger. Bref, j'avais fait tout ça pour rien. Puis, ça donnait que le code QG regardait ma vidéo pendant ce moment-là. Donc, je me suis donc tourné vers code CF et j'espère qu'ils accepteront la vidéo. Donc, c'était ma petite histoire par rapport à ce sujet. Donc, j'ai envoyé cette vidéo à CodeCF et ils m'ont dit de recommencer le commentary. Donc, j'ai dû le recommencer. En plus de ça, mon ami, il m'avait dit de recommencer mon commentary parce que j'ai donné un peu trop de punch dans la vidéo. J'ai donné le score et tout, le score final. Puis, il aimait pas vraiment ça. Fait que là, je me suis dit, ouais, c'est vrai, je devrais recommencer le commentary. Donc maintenant je vais me présenter pour ceux qui me connaissent pas parce que je suis nouveau sur YouTube. Donc je me présente, je suis un jeune YouTuber québécois, j'ai 15 ans, bientôt je vais avoir 16. Je joue sur la PS3 et pour les curieux, je suis Prestige 5 dans Black Ops 2 et Prestige 15 à Modern Warfare 3. Donc, maintenant, passons tout de suite aux astuces et aux trucs que je vous donne pour les armes semi-automatiques ou même les armes à rafale. Donc, je conseille fortement pour le Fall DSW et le SMR qui sont les seuls assault rifles semi-automatiques, je tiens à préciser, d'utiliser le sélecteur de tir. Et c'est très important d'utiliser le sélecteur de tir si vous jouez avec des armes semi-automatiques. En fait, avec le Fall DSW ou le SMR.
Donc, qu'est-ce que fait le sélecteur de tir? Il vous permet de tirer automatiquement ou de la façon dont on tire avant d'activer le sélecteur de tir. Donc, aussi, il peut être très utile, le sélecteur de tir, pour la M8A1, qui est une arme à rafale, et le SWAT 556, me semble. Aussi, il peut même être utilisé pour la Chica, mais moi, je l'utilise pas pour cette arme. Donc, de plus, je vous conseille le détecteur de cible, car il vous permet de voir les ennemis dans des carrés rouges, et donc, c'est plus facile pour vous de les repérer et de les tuer. Donc, mettons, vous voyez à peine la personne sans le détecteur de cible, vous savez pas trop où elle est cachée en arrière d'un mur. Ben, avec le détecteur de cible, vous allez voir un peu le carré rouge, puis là, ça va vous dire où c'est calé. Là, vous allez pouvoir le tirer. Aussi, pour le SMR, je vous conseille fortement la poignée, car c'est une arme qui a beaucoup de recul, et la poignée réduit le recul de cette arme. Vous pouvez aussi ajouter autre chose en utilisant un Joker sur le fort des SW, par exemple. Comme ici, mon ami Gunstar, il a utilisé le silencieux avec son Joker. Donc, aussi, je vous conseille, ça c'est pas mal important pour si vous voulez faire de gros scores, je vous conseille de pas trop rusher parce que c'est pas comme une mitraillette, ça a très peu de l'arme a très peu de cadence de tir, donc c'est plus dur à tuer les ennemis avec ces armes-là. Donc, maintenant, je vais vous parler un peu des score streaks. Parce que les score streaks dans ce Call of Duty sont. Ben, certains sont assez durs à obtenir, d'autres non. Donc, moi, je trouve que le foudroiement, c'est un très bon score streak, mais qui nécessite peu de points pour le débloquer. Donc, de plus, on doit rusher pour avoir de gros score streaks comme l'unité canine ou même le plus gros, le groupe de chasse. Il faut vraiment jouer l'objectif dans ce Call of Duty. D'après moi, les concepteurs de Treyarch, ceux qui se sont dit, on veut pas de joueurs qui campent, on veut des joueurs actifs qui vont rusher l'objectif et tout. Pour ma part, mes score streaks préférés sont la micro-station orbitale que j'utilise, bien évidemment. Pourquoi? Parce que c'est un score streak qui vous permet d'avoir une avance énorme sur les ennemis. Vous pouvez voir les déplacements en détail des ennemis. Donc, mettons, ils tournent le coin et vous allez être prêt tout de suite à tirer. Et vous allez savoir vers quelle position il s'en va. Ensuite, j'utilise le Loadster. C'est totalement de la bombe ce kill streak. J'ai environ une moyenne de 13 kill streak, de 13 kills, pardonnez-moi, avec le Loadster par utilisation. Sérieux, c'est énorme. Je capote. À date, j'ai 13 Loadster de collé, puis j'ai 136 kills. Ensuite, j'utilise les chiens ou même les groupes de chasse qui est un score streak très puissant, ma foi. Aussi, avant, j'utilisais, comment il s'appelle, le Warthog. Mais là, je me suis dit, putain, on va essayer les gros score streaks avec mes amis. Puis là, mon ami, il commençait à jouer avec la DAV. Il se mettait en score streak, la micro-station, la DAV, puis les chiens. En tout cas, on a commencé à... C'est comme ça que j'ai commencé à jouer avec des gros score streaks. Donc, la vidéo tire à sa fin, il reste une minute à la vidéo, je vous dirai pas tout de suite le score, mais vous voyez que Gunstar a eu énormément de chiens d'attaque, vous doutez sûrement qu'il finit avec un énorme score. Eh bien, je vous le dis pas tout de suite. Donc, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. J'espère que KTF me prendront pour m'uploaderont. Sur leur chaîne. S'ils le font, un grand merci à eux. De plus, je vais faire des prochaines vidéos. Je veux faire un live sur Black Ops 2 et un live sur Battlefield 3. Et on comparera les deux jeux ensemble avec iZerk et iAllStar. Donc,
Gunstar, la partie est terminée. Et Gunstar finit avec un magnifique score de 111 kills, 9 morts, 3 unités canines de collé. Alors, moi je vous dis ciao, à la prochaine.